Everybody got a deuce. What? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, donc là on est déjà en mode studio, on se retrouve sur PS4, on est sur BO3, on est en dernier rempart encore une fois, pour une fois j'ai envie de dire. Je vous propose la première nucléaire, c'est pas ma première nucléaire en dernier rempart, et encore moins sur Black Ops 3, mais en fait c'est la nucléaire la plus chatteuse que j'ai jamais fait. Vous allez voir, en fait elle est pleine de chattes, cette nucléaire, mais vraiment plein de chattes. Donc là je commence toujours à faire le tour par chez eux pour les contourner. Je vais y arriver, j'étais en train de regarder comment j'allais tuer le gars. Donc là déjà ça commence bien, vous voyez, première chatte, le mec me tire dessus, je ne prends rien. Et vous allez voir que ça va s'enchaîner encore plus la chatte dans les prochains kills. Donc comme à mon habitude, je zone beaucoup et je regarde beaucoup ma carte et beaucoup où est-ce que sont mes coéquipiers. Là mon Henken m'avait dit qu'il campait derrière le bureau. Du coup hop, j'ai pu le tuer. Là encore une fois vous voyez le mec se loupe complètement et j'ai presque plus de balles, donc du coup je lui prends son arme. Et on joue avec la Weevil que je n'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout, je trouve qu'elle fait pas assez de dégâts. Bon elle est précise mais après elle fait pas beaucoup de dégâts, c'est impressionnant. Bref, donc là je suis en combien déjà? Je suis en 9-0, donc la partie débute hein, en dernier rempart, c'est pas comme dans les autres modes. Un kill ça ne compte pas 100 mais plutôt 50. Donc voilà, donc là je temporise un peu en fait, je regarde à peu près où est-ce que sont... Vous voyez? Oh là là, toutes les balles qu'il faut. Je regarde un peu où est-ce que sont mes coéquipiers pour me déplacer en fonction de mes coéquipiers toujours. Toujours se déplacer en fonction des coéquipiers, ça c'est primordial. En tout cas pour moi c'est primordial. Donc du coup voilà, j'essaye. Là il y a Henken, je lui dis qu'il y en a un à droite, un à gauche. Bien sûr que je joue avec Henken et Panda Rage, j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Vous voyez Henken 44 qui est dernier, pour pas changer parce que Henken 44 est toujours dernier. Donc voilà, non je rigole. Et le panda rageux, donc là vous voyez la chatte va commencer. Donc là vous voyez, regardez, ils sont tous ici. Là j'essaye pas en fait de les rusher tous. J'essaye plutôt de les... Déjà lui prend pas, hop. J'essaye plutôt de les contourner. Mais les ennemis, vous voyez en face, tu leur tires dessus, il y en a aucun qui se retourne. C'est quand même impressionnant. De là vous voyez, première chatte, deuxième chatte, troisième chatte. C'était plein de trucs de chatteux. Là je lui tire dessus. Là il y en a encore. Il y en a encore un en fait, ils étaient deux à la même place. Je devais prendre des balles de sniper, je les ai pas pris, donc voilà, vous voyez, je suis en 18-0. Là, ça s'est enchaîné avec beaucoup de chance. La killcam, c'est moi qui l'a faite, mais vu qu'on est en mode studio, on la verra pas. Tout s'est enchaîné en fait super vite. C'est là que j'apprécie en fait l'armure cinétique, parce que si j'avais pas l'armure cinétique, là, je pense que j'étais mort. Tout le monde me tirait dessus. L'armure cinétique, ça fait un regain de gilet, ouais, comme une sorte de gilet pare-balles. Sauf que vous êtes prenable dans la tête. Avec quelques balles dans la tête, vous mourrez. Encore faut-il déjà tirer dans la tête. Enfin, des fois sur Black Ops 3, vous tirez dans la jambe, ça part dans la tête, donc on comprend pas pourquoi. Je ne comprends pas. Mais bon. Voilà, du coup j'ai micro, après il n'y a plus trop de mérite, hein, bien sûr, une fois que vous sortez la micro, il n'y a pas trop de mérite à sortir une nucléaire, encore faut-il la réaliser. Du coup je suis en implacable, et alors là, je vois pas que je suis en implacable, hein. Ils vont détruire la micro, là il est juste derrière en plus l'autre. Ils vont détruire la micro, du coup je vais rester un peu temporisé ici, là vous voyez vers là. Le mec en plus va activer son truc. Vous voyez là il me repère. Là le mec me repère. Il essaie de me tirer dessus. Alors là le mec, si je l'avais pas repéré, le mec trop nul quoi. Le mec trop nul. Parce qu'il se fait repérer tout seul en tirant. Là j'aurais dû le rusher mais je le rush pas. Je reste toujours dans mon périmètre, 22-0, il y a mon armure cinétique. Comment ça s'appelle? Les raps, merci. Il y a les raps un peu qui font le taf. Je regarde un petit coup d'œil à gauche. Je vais rusher, non c'est pas maintenant. Toujours le petit coup d'œil à gauche et je rush à droite. Et donc là je vais vraiment pas camper, mais je vais rester dans ma zone en fait. Dans ma zone, bah ici en fait. Puisque là quand je regarde ma carte, vous voyez ils sont tous à droite. Ils sont tous à droite, mes raps et mes coéquipiers, donc là il n'y a plus personne à droite. Mais sinon ils étaient tous à droite, et donc du coup quand vos coéquipiers sont tous à droite comme ça, il faut réfléchir, et donc du coup ça spawn à gauche, donc du coup ça spawn vers moi. Et donc du coup je vais rester un peu ici. Même beaucoup ici. Même très beaucoup ici, en campant. Et je me dis, de toute façon c'est obligé qu'il y en a un
qui va revenir. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je les tue à gauche. Et j'en ai tué déjà 3 à gauche. Donc je me dis qu'il y en a, là, il y en a un qui va arriver. Et du coup, oui, il arrive. Là, j'ai pris un peu de temps avant de le tuer. Au cas où qu'il y en a un deuxième qui arrive. Toujours pareil, je suis en brutal, mais je le vois pas que je suis en brutal. 29-0. C'est pas mal. J'aime pas en fait quand je regarde mon gameplay, parce que là je vois que je campe un peu. Mais bon, après moi j'en ai marre en fait, j'ai fait beaucoup de brutal. Je crois que j'en ai fait une bonne cinquantaine de brutal. Je vais vous dire ça à la fin du gameplay là. Sans mentir, j'ai dû faire une bonne cinquantaine de brutal. Du coup j'en ai un peu marre de faire des brutal. Maintenant quand j'arrive à 6 de ma nucléaire, J'essaye de rester un peu dans le même périmètre. Là un petit coup d'œil à droite, même pas. Oh là là, je prends des risques. Ça c'est un truc qu'il faut pas faire. Donc là, je me déplace toujours vers eux. Là j'ai la gauche, j'ai la droite. Je vais pas rester ici parce que... Hop, là il y a un mec, attention. Boum, il arrive et il est mort. Voilà, là j'en tue un, maintenant je me redéplace. Vous voyez, je me casse, ça sert à rien de rester toujours au même endroit. Une fois que vous en tuez un, c'est comme un sniper. Vous en tuez un, boum, vous quittez votre position. Là le mec balance une grenade, donc déjà le mec se fait repérer. S'il balance une grenade, c'est qu'il va arriver. La réponse est non, il n'arrive pas, donc du coup je me casse. Il a juste balancé une grenade manière, après il se casse le type. En plus ils n'arrivent pas à faire avancer le robot. Mes coéquipiers jouent assez bien, vous voyez, ils sont tous à droite mes coéquipiers. Et au milieu. Donc là, chatteuse. Puisque j'ai mon armure cinétique. J'ai failli... Il a failli me la mettre quand même le type. Là je me rappelle même plus, hein, je suis en combien. Il me semble que je suis en 28 donc. Parce que j'ai fait 3 kills. Non, j'ai fait 2 kills donc 27, bon bref. De toute façon je vais faire un nucléaire. Donc là le robot je vois qu'il avance, donc à un moment donné il faudra peut-être l'arrêter. Donc du coup on avance vers le robot, on va voir s'il y a du monde, il y a personne. Là je reste un peu là pour voir s'il y a pas un gars à gauche qui arrive. Donc il y a personne. Il y a le panda rageux qui est là, il tue un gars. Donc toujours je reste dans mon périmètre parce que de toute façon ça va spawner normalement logiquement quand le robot comme ça il est à gauche de la carte. Ça spawn aussi à gauche. Donc là j'essaie de faire des petits mouvements, vous voyez, comme ça, de monter descendre. Toujours pareil, hop, là il y a un gars, heureusement qu'il s'est pas visé, et du coup nucléaire, voilà. Et là je vais mourir en fait. Parce que vous voyez, il a activé son truc. Et en fait je vais le pré-shoot là. Et là regardez comment c'est mal fait, parce que regardez, vous voyez, je suis derrière le mur, ça c'est un truc que je comprends pas. Tu passes le mur et tu meurs. Donc en fait j'aurais dû rester devant la porte, hein, quitte à me faire tuer. Là personne ne voit lui. Non, il y a personne qui voit. Là, voilà, pas de bol, je me paye une grenade. Super quoi, alors que je suis en l'air, je me casse en plus. Petit coup d'œil à droite au cas où. Il y avait personne. Petit coup d'œil à droite au cas où il y a personne, et là il y a un gars, vous voyez, qui est juste à droite. On a gagné la partie 2-0, 35-2. Bon voilà, j'ai eu beaucoup de chance au tout début de la partie, parce que normalement j'aurais peut-être pas dû la faire. Bref, on va arrêter la vidéo, je vais vous faire voir un peu les brutales que j'ai fait. Alors si vous êtes si ça fait longtemps que vous êtes abonné sur ma chaîne, vous savez à peu près combien j'ai fait de brutal, hein. J'ai pas fait beaucoup de nucléaire, c'est ça le truc en fait. C'est qu'à chaque fois je me fais tuer. Je me fais tuer quand. Parce que à chaque fois je rush et du coup je me fais tuer. Ou alors le mec ne prend pas en face. Bref. Hop, on va quitter ça. Multijoueur, partie publique. On va dans la caserne, médaille et. Donc les brutales, donc j'ai fait que 20 nucléaires, vous voyez, c'est vraiment très très peu. Et j'ai fait 67 brutales, voilà. Donc si j'avais été bon, j'en aurais fait peut-être 40 voire 50 nucléaires. Et mais j'ai pas été bon, j'ai fait 20 nucléaires pour 67 brutales. Donc voilà, bon bref, c'est pas très très grave. Les amis, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.